capable d'anéantir toute vie sur notre monde. Faut qu'on se rende sur place en quatrième vitesse. Dame Vera au grain pendant notre absence. Maniez-vous. Je vous rejoins là-bas. Rejoignez Manny Barbe de Bronze dans les salles d'origine de Hold'em. On se remet au boulot. Pourquoi je sors mon arme à chaque fois? Hop. Range-moi ça. Garde une talèche dans le dos. Dans le dos. Dans le dos. Pardon. Toc toc toc. Il y avait un vol ici, il me semble. Il y avait un fly. Hein. Je sais pas où il est. Je suis pas fou. Ah non, il n'y a pas de vol. C'est moi qui divague. Ben, direction Hold'em dans ce cas. Mais à tous les coups, il est à un tirage. À tous les coups, il est à un tirage. C'est quasiment sûr. Ben, c'est déjà désigné, donc c'est bon, on va y aller. Attendez, on va changer un peu de monture. Voilà. Ah bah problème titanesque, bah ça, c'est justement normalement cette chaîne de quêtes devrait nous amener à un nouvel artefact à mettre dans le cœur d'Azeroth. Ah. Hold'em, ça rame toujours un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs versions de cet endroit aussi. Scénario en cours? Oh, c'est pas vrai, ça va nous amener vers une nouvelle instance. Attendez, ouais, non, on va. Je vais redescendre un peu en altitude parce que. Oui, bon, de toute façon, c'est là. Alors, Hold'em, on y a été très très peu au cours de cette série, voire quasiment pas. Ambiance très Égypte. Beaucoup. Alors faut savoir que moi par contre j'ai passé pas mal de temps hors caméra ici. Parce que comment dire. Il y a les donjons d'Ankhirage pas loin. Et je. J'espère que tu vas pas m'emmerder toi. Aucune chance qu'il m'emmerde. Il est trop bas niveau. Par ici, je crois que j'ai trouvé qui a pris le contrôle de la forge. Azeroth pleure de douleur.
Alors, un groupe de Tolvir qui se fait appeler les Amatet a pris le contrôle des salles de l'origine. Je peux pas vous dire grand-chose de plus à part qu'ils viennent de débarquer en ville et qu'ils sont pas très amicaux. Va falloir qu'on entre là-dedans et qu'on réactive la forge, sinon Azeroth est cuite. Terrasser les Amatet et réactiver la forge dans la salle des origines. Pour Azeroth. Et donc c'est ce donjon? Je savais même pas qu'il y avait un donjon là. Ok. Qu'est-ce que... Quoi? Alexstrasza est encerclée. Vous devez la Mais non, je rejoindre. l'ai déjà fait ça. Votre arrivée est providentielle. Il est temps de mater ces abominations. Mais non, mais je... Excusez-moi, il y a eu un bug, je sais pas pourquoi, je suis revenu là. Quitter le groupe d'instance. Voilà. Excusez-moi, apparemment l'instance précédente, je sais pas pourquoi, elle était toujours active, alors que j'aurais dû la quitter. C'est un bug, c'est clairement un bug du jeu. Quand j'ai fini l'instance, ça c'est j'ai pas été désinscrit en fait, simplement. Ce qui est très étrange. On recommence. Et il y a un portail ici pour Oldham, donc on va le prendre. Ce sera plus simple. Je me suis trompé de monture. C'est pas drôle. Alors, Holden. C'est ça. Désolé pour ce contretemps complètement indépendant de ma volonté, hein, évidemment.
J'ai pas regardé mes difficultés, j'ai rien regardé là-dessus. Normal. Ok. Oh, j'avais pas senti le poids d'un marteau en main depuis des lustres. C'est bon de reprendre du service. Oh, c'est bon ça. Attends. Ah, tu... D'accord, il me guide en plus. Super. Des intruses! Vous osez souiller ce lieu avec la malédiction de la chair! Vous affrontez les Amateth! Qu'on va pouvoir se frayer un chemin en avant. Annihilé. Toujours pas de loot, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, on va faire ça vite. On va pas forcément tuer tout le monde, on va surtout atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Attendez, vous voyez les statues? Les Amateth ont dû réactiver les défenses de la forge. Il faut les arrêter avant de pouvoir traverser. Les commandes devraient se trouver en bas. J'ai pas vu combien de dégâts ça m'avait fait. Là, je vais juste voir combien de dégâts ça fait. Bah, moins que mon bouclier déjà. C'est-à-dire moins que 62 000 quoi. Je n'ai pas de cible. Et voilà le travail. Allez en avant. Ah, je suis désolé pour La forge est à nous, intrus! Je suis désolé pour le téléphone derrière. Donc on va continuer. Mais c'est bien qu'on ait Mani avec nous là. Le gardien n'est pas prêt. J'ai besoin de temps. Mais l'ennemi est là! Active-le! Non. Je suis pas chaud pour attaquer un titan, pour affronter un titan quand même là. Le dernier coup que j'ai croisé un titan, ça s'est pas très bien passé. On se rappelle tous.
Moi j'étais là en mode ouais, j'ai trop la classe, j'ai trop la classe. Et puis je me suis pris un marteau dans la tronche. Oh, ça va. Forme de vie non autorisée détectée. Activation des protocoles de purge. Bon, ça c'est une mauvaise nouvelle. Mais il est moins impressionnant que le titan de Croisé à Légion, hein. Ouais, quoique. On va peut-être pas faire les marionnes non plus. La forge est envahie. Les Amatets ont fabriqué leur propre gardien. Faudra s'occuper de cette histoire plus tard. Allez, Ah prenons non, notre c'était sort en pas main, un sale vrai écran. titan. C'était juste un titan, Ah! d'accord. L'alimentation a été coupée. Attendez, je vais accéder au conduit. Allez, c'est par là. Regardez, certaines des consoles sont encore actives. Si on peut trouver celle qui contrôle l'ascenseur, on pourrait rediriger l'énergie dessus pour la rallumer. Je sais pas pourquoi les... Je dois d'abord choisir une Une cible. espèce de taquin qui est au sol, je le sens pas. Si ça va, il y a l'air d'y avoir une vitre. C'est par où? C'est par là. Donc c'est bon, c'est pas des vrais trous. Celle de l'ascenseur. Si on peut la rediriger ici, on pourra faire tourner tout ça. Alors, attendez, je vais juste check la température de mon GPU, ça va. Je pourrais même remonter un petit peu les graphismes, mais on va pas trop jouer non plus. Ok. Et pourquoi à chaque fois ma première corruption elle passe pas? Ça a pas l'air d'être là. Ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait. Pas vu qu'il y en avait là-bas aussi. Là-bas. Attendez, excusez-moi, juste un instant. Ok. D'accord, et donc là, d'accord, ok. En fait, faut suivre le... Ok, il y a un chemin à suivre. Et bien sûr, à chaque fois, on considère que je suis en déplacement quand j'arrive. Donc là, pareil.
Ok. D'accord. Ok, ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ok. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu long à la détente. Ok. Donc ça c'est ok. Là aussi. Là-bas c'est pas bon. Là c'est bon, mais ça n'alimente plus là-bas. Ok. Tac 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 tac. Compliqué de faire. Est-ce que là-bas... Que là-bas, je peux faire quelque chose. Ça doit être de là que vient l'alimentation des défenses qu'on a rencontrées. Celle-là, on peut l'éteindre. Ok. Celle-là, on peut l'éteindre. Donc, pas besoin d'allumer celle-là. Ok. Donc, je vais aller alimenter celle-là dans le fond. Origination. Oula, on recule doucement. Faut pas toucher à ça. Ok. Bon. Donc ok. Donc ici, ça n'a pas d'intérêt. On va donc rediriger le flux. Ok. Ce flux-là, pareil, on va le rediriger. Par là. Donc en toute logique, ça devrait le faire. Donc c'est vraiment lui Vous qui fait. Portez la malédiction de la chair et êtes indigne du don des titans. Bon, ok, d'accord. Juste par curiosité, j'allais voir ce que c'est le truc là-bas. C'est le seul truc auquel on n'a pas eu de dialogue. De toute façon, les mobs repopent pas, on est en instance. Pendant encore 1 heure et demie, maximum. Prenez vos corruptions. C'est quoi ça? Tu dis rien? Bon, bah tu dis rien. Ok.
mettre un petit peu de... un petit peu dans la tronche quand même, allez, hein, parce que... Je me lasse de ce subterfuge. Oula. Ok, Toulouse, on se calme. Tant de ferveur, mais si mal placé. Leurs yeux restent fermés à la voie véritable. Mais vous, vous voyez la vérité, mon élu. Hé ! Vous êtes là ? Pendant une seconde, j'ai cru qu'on s'était perdu. Si les sbires de N'Zoth ont pénétré dans la forge, c'est pire que ce qu'on croyait. Vite ! On doit se dépêcher ! C'est pas là? Qu'est-ce qu'on fait? Réactiver les forges d'origine. Et alors, ah purée, d'accord, ok, faut. Hop, allez, on traverse tout. On traverse tout. Et j'ai de l'orage qui commence à gronder chez moi. J'espère que j'aurai pas de soucis d'alimentation. Si je me retrouve déconnecté, c'est qu'on a une coupure de courant et que ma livebox est arrêtée. Ok. Ok. On dirait que l'ascenseur fonctionne. Le centre de contrôle doit être au-dessus. Ça, c'est le deuxième étage, j'ai fermé. On y est. Je contacte la chambre du cœur. Sphère. Connexion établie. Veuillez confirmer l'élimination des entités hostiles. On les a éliminées. Mais N'Zoth a eu le temps d'endommager la forge. Bien reçu. Activez les générateurs pour lancer le redémarrage du système. Ok. Réception en cours. Erreur. Accès aux conduites d'alimentation principale impossible. Connexion directe à la chambre du cœur requise. Branchez le cœur d'Azeroth à la console principale. Je sais pourquoi je le sens pas. Erreur. Forge opérationnelle à 37%. 37 ? Oh, ça sera jamais assez pour protéger Azeroth. Affirmatif. Des sources d'énergie supplémentaires sont requises. Recherche d'alternatives compatibles. Veuillez patienter. Avec
qu'il nous reste du pain sur la planche. C'était super classe quand même l'utilisation du cœur. Je parle pour Azeroth. Ok. Bon, il va falloir qu'on prenne notre mal en patience. Le temps que Dame trouve une solution pour la forge. En attendant, faut qu'on empêche ces sagouins de faire encore plus de dégâts. Vous devriez aller voir les Tolvirs de Ramkaen. Je sais que vous leur avez prêté main forte par le passé, alors ils accepteront peut-être de nous aider à éviter que la forge tombe entre de mauvaises mains. Allez voir le roi Faoris à Ramkaen. Je retourne à la chambre pour réfléchir à la suite du plan. On peut pas se permettre de laisser la forge retomber entre de mauvaises mains. Protégez-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Téléporteur. Ok. Ben, ça va nous faire gagner du temps, c'est plutôt cool. On ne sait toujours pas ce qu'il y a au deuxième étage. Un truc, mais ok. Bon. Être là, c'est ça. Brigands, vous n'êtes pas les bienvenus ici. On vient sans armes. Tout ce qu'on veut, c'est que... une audience. Quoi? Avec non le mais. Roi. Et il semble que vous ne soyez pas les seuls. Alors ça c'est malin. Les mecs sont en train de faire du PVP en plein milieu de la zone PVE. Oh non! Non, me dites pas que je suis là. Non, ça va, je suis pas loin. Ouh! Et qui a bande de trucs. Y a-t-il des nouvelles? Que peut faire Ramkaen pour vous? Je suis désolé, on prend la quête, on va la lire ailleurs. Parce qu'ici, visiblement, c'est hostile. Alors,
Vous avez besoin d'aide pour défendre la forge des origines. Dans ce cas, il semblerait que nos objectifs concordent. Les salles de l'origine ne représentent qu'une infime partie du territoire couvert par la forge. Toute menace pesant sur Oldham est un danger potentiel pour la forge et nos ennemis se sont multipliés ces derniers temps. Nous étions sur le point de réunir le Haut Conseil quand ces balles au désert ont débarqué sans crier gare. Que diriez-vous de vous joindre à nous pour apprendre davantage sur ces menaces? Sable de vision. Ok. Maintenant, non, 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 je vais pas abandonner. Et le truc, c'est que ça a l'air d'être dans la même salle. Nous en savons peu sur les Amatet, sinon qu'ils croient être les seuls défenseurs des créations des titans. Pour eux, les autres créatures portent la malédiction de la chair et sont les ennemis des faiseurs. Il faut absolument les empêcher d'accéder à la forge. Une autre menace plane à l'ouest. Des créatures monstrueuses ont surgi des sables et se regroupent en nombre. Elles semblent provenir d'un Kirage, mais elles ne ressemblent pas aux Kiragi ou aux Silithides que nous avons déjà affrontés. Mais le pire, nos prêtres sont hantés par des cauchemars incessants. Ils voient nos cités réduites en cendres et nos frères se déchirant entre eux. Je crains que ces visions ne fassent qu'annoncer quelque chose de bien plus sinistre. Il faut nous préparer à la calamité. Ok, j'ai un souci avec un chat, je vais devoir faire une pause. Je vais m'en occuper. Hop, je vais juste me mettre à l'abri. Et on va. Purée, attendez, je vais juste terminer ça parce que. Ah non, cassez pas les couilles. Hein. Salutations à vous. Je vous rejoins. Ramkaen ne peut pas faire face à ces menaces sans assistance. Je propose de sceller un accord entre tous ceux ici présents. De nous unir pour défendre notre terre. Ma coquinée avec des pilleurs de tombes et des brigands, c'est une plaisanterie. Non, vous casse allez pas. Obéir à votre roi. Quiconque se bat pour défendre Uldum est un allié de Ramkaen. Comptez sur les balles désert, roi Faoris. Et la Ligue est aussi avec vous. Parlez. Au revoir. Nous protégerons Uldum. Je prends, je lirai plus tard. Menace émergente. Bon. Hop. Parce qu'ici, ça a l'air d'être une zone. Une zone PVP. Assez brutale. Bon. Purée, c'est juste là. Bon. Je mets en pause l'enregistrement, je reviens dans une seconde. Bon, c'est bon, je suis de retour. Hop. Alors, c'est ici. Ah oui, on n'a pas lu la quête. Attendez, juste un instant. Alors, les Tolvir considèrent la protection des assemblées des assemblages de titans en Oldham comme un devoir sacré. Cependant, nous sommes aux prises avec des menaces grandissantes et nos effectifs ne sont plus ce qu'ils étaient. Même avec le soutien de nos nouveaux alliés, nous ne pourrons tenir, nous ne pourrons retenir éternellement ces ennemis. Il suffirait que l'un d'entre eux monte en puissance
pour que nous soyons submergés et que la sécurité de la forge soit compromise. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre aide. Le haut commandement Kams vous expliquera la situation en détail. Ok. Que voulez-vous? Montrez-moi les champs. Il y a une guerre à livrer. C'est un enfer. Ici, je le dis clairement, c'est un enfer. Je sens que j'ai désactivé mon mode guerre, que ça va être rapide. Parce que si on se fait emmerder comme ça en permanence. D'accord, ok. Non, mais c'est là. Comment ça se fait qu'ils sont plus puissants que dans l'instance ces mobs-là? J'ai rien compris. C'est quoi ça? De vieux alliés. Je comprends pas, ça me gonfle. J'ai pas d'ennemis qui sont en surbrillance, j'ai pas... J'ai pas vu quoi, 1 million de points de vie quoi.
Le truc a une résistance d'enculé. J'espère qu'il est pas en train de me... C'était un coup qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Continuez de contrecarrer les efforts de notre ennemi. Je n'ai pas de cible. À chaque jour qui passe, de nouveaux ennemis arrivent en Uldum. Nous devons leur faire quitter notre désert. Mais ne perdez pas de vue l'objectif. Et concentrez-vous sur les champions ennemis. Ça va durer des plombes, j'en peux plus. J'en peux déjà plus, ça vient de commencer. À l'aide. Sortez-moi de cet enfer. Ah. À quoi ? Collecteur solaire, bah quoi ? Je n'ai pas de cible. Ça se régénère, faut le défoncer, c'est ça ? Et c'est la coupure de courant. Je reviens. Je reviens dans un instant. Je suis de retour. Donc. Perdez pas de vue l'objectif. Et concentrez-vous sur les champions ennemis. On va attendre ça. Parce que l'autre, il a l'air d'attendre aussi. On va réinvoquer le marcheur. Et on va prendre aussi... Bon, bon, bon. C'est un enfer, c'est un enfer. Je le dis, c'est un enfer. On va trouver autre chose. Que je voulais, c'était surtout ça.
ben ça a marché, ça marche. C'est bon, eux aussi, c'est bon, ça compte. Avant ça comptait pas, je sais pas pourquoi, maintenant ça compte. On va s'éloigner de l'autre par contre avec ses grandes épées là, parce que... Mais l'autre qui tape dans le tas et qui me touche en même temps, cet enfer. Enfin je dis rien, lui il se prend des corruptions aussi dans la tronche aussi de temps en temps. Mais bon. Oh, je suis qu'à 18%, j'en peux plus de ma vie. Mais lâche-moi la grappe, toi, l'autre alliance, là. Il me casse les burnes. Mais il le fait exprès, c'est pas possible. Tire-toi. Oh. Il va se reprendre une corruption dans la tronche, hein, j'annonce. Hein. Voilà. Ah là là, cet enfer. Cet enfer. Hop, vas-y. Hop. On y va, on y défonce sa mère. Un loot, bon. Pourquoi j'utilise ça moi? Hop, 31%. Allez, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver.